My presentation today is about cystic fibrosis, which is a especially rare disease, but I would like to focus on what's happening now in the Indian Ocean, according to CF. So I'm going to go through the slides with definitions, pathology, genetics, etc. And I try to be quite quick on certain aspects and lower down if we have a focus on India or South Africa, etc. So, first slide, please. So, definition. You all know that CF is a genetic disorder. It's an autosomal recessive disorder that presents as a multisystem disease with significant morbidity and mortality in all parts of the world. It is due to an abnormal transfer of chloride. So CF is due to an abnormal transfer of chloride in the apical membranes of epithelial cells. And classical CF is characterized by essentially by progressive lung disease, exocrine pancreatic insufficiency, elevated sweat chloride, we'll see this particular point later on, and in newborn babies with meconium ileus. There are many other phenotypes, most milder phenotypes of CF, like CBAVD in male infertility, or in certain adults, nasal sinus problems, etc. We'll see this again later. Most of the time, pulmonary involvement occurs in more than 90% of the patients, and we'll see it again later on. Mortality is so high. Mortality can occur in the neonatal period through meconium ileus, and more than 90% of the patient will die from severe chronic respiratory insufficiency. Next, please. Avec la zapette, pardon. So, let's go back to the past. First description of CF was made in 1838 by Rocky Tansky. Then later on in 1905, by an Austrian colleague, but it's really in 1938 with Dorothy Anderson in New York who first described what CF is today. The first interesting part for us here in the Indian Ocean, and especially in India, is epidemiology. For us, in France and Reunion Island in Europe and North America and Australia, it's far the most common genetic disorder, and here in India or in some other parts, it's the first, but with sickle cell disease. So, dear English-speaking colleague from Oman, you heard. I'm gonna go on with my speech in French, because there's a majority of French-speaking people here. Okay, sorry for that. Alors, d'un point de vue épidémiologique, la mucoviscidose est pour nous caucasiens en Europe, aux États-Unis et en Australie, la première en fait des maladies génétiques de l'enfant. En fait, quand on se réfère à la planète tout entière, donc aux 7 milliards d'habitants, la drépanocytose, donc sickle cell disease, est la première des maladies génétiques. Et en Inde, c'est tout à fait le cas. Par contre, il y a des variations géographiques extrêmement importantes et une distribution totalement inhomogène dans le monde. Et
si on parle un petit peu de prévalence instantanée rapportée au nombre de naissances, chez nous, ça veut dire à La Réunion, en Europe, aux États-Unis, en Australie, ça va concerner à peu près une naissance sur 2500 à 4500. Et actuellement, pour vous donner quelques chiffres français réunionnais, en France, on estime qu'il y a à peu près 7000 patients suivis, en Europe, 30 000 patients, aux États-Unis à peu près 30 000. J'ai plus tout à fait les chiffres australiens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a toujours dit que c'était très rare, voire exceptionnel, en Asie et en Afrique. Et vous verrez après que c'est plus tout à fait le cas, puisque grâce à ce que je vais vous présenter après, les nouvelles méthodes de diagnostic, on sait aujourd'hui que la mucoviscidose a une incidence, une prévalence non négligeable, même en Inde. Donc, si on s'intéresse tout spécifiquement à l'Inde, les premières descriptions de mucoviscidose remontent à quelques années déjà, puisque les premières descriptions, c'est en 1968, et on estime aujourd'hui, par les études, notamment en Angleterre, United Kingdom, que la prévalence n'est pas de 1 sur 4000 ou 1 sur 3000, comme c'est le cas chez nous, mais 1 sur 10000. Ça veut dire qu'elle n'est pas exceptionnelle. Avant 68, on disait « ça n'existe pas en Inde ». Aujourd'hui, vous le verrez, j'ai plusieurs exemples, c'est une prévalence qui n'est pas aussi importante que chez les patients, chez les sujets qui sont d'ascendance caucasienne, donc caucasienne blanche, mais ça va être une maladie qui n'est pas du tout rare. Alors, si on regarde un tout petit peu, moi j'ai fait quand même de la biblio pour regarder avant le congrès, et j'ai eu l'agréable surprise de voir énormément de ces 20 dernières années de publications venant de l'Inde, hein, puisque vous avez, là il y a 3 ou 4 exemples, ce sont des publications non pas sur 1 ou 2 cas, ce sont des publications de gros centres qui vont colliger 60, 80, 100 cas, et ce sont surtout des publications de très haute qualité qui vont se poser exactement les mêmes questions. Et dans l'avenir, il est clair que avec l'organisation des soins, avec on l'a entendu hier ou avant-hier avec la diminution des maladies infectieuses et tout ça, on va s'intéresser de plus à ces maladies génétiques certes rares, mais qui sont présentes ici. Pardon. Alors comment ça se passe en Afrique ? En Afrique, j'ai eu la surprise de trouver un article, celui-ci, ici. Un article d'Ouganda, écrit par nos amis anglo-saxons en 68, mais qui s'est intéressé à l'insuffisance pancréatique externe, mais qui s'est focalisé sur les parasitoses, etc., etc. Et en regardant très consciencieusement les 30 ou 40 cas décrits, il y a au moins 2 ou 3 cas de ce qui pourrait aujourd'hui être diagnostiqué comme une mucoviscidose. Un peu plus près de chez nous, à Madagascar, là aussi, on pourra en parler après peut-être un peu, mais il est clair que nous suivons à La Réunion et à Paris des patients qui ont des mucoviscidoses totalement typiques, avec des génétiques totalement typiques, qui sont originaires de Madagascar. Un peu plus loin, en Afrique du Sud, comment ça se passe en Afrique du Sud ? Mais en Afrique du Sud, il y a énormément de publications et la prévalence en fait de la mucoviscidose en Afrique du Sud est tout à fait importante. Elle est à peu près intermédiaire à ce qu'on peut voir à La Réunion. Elle est à peu près à 1 sur 5 à 6 000 naissances. Donc c'est pas une maladie rare compte tenu du nombre de naissances. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, je ne vais pas vous détailler ces articles, c'est qu'il y a des mutations privées par région. Donc en Afrique du Sud, la mutation prévalente, ça va pas être la Delta F508 comme on l'a chez nous, ça va être la 3120, etc., etc. La G622 qu'on a souvent à La Réunion, ben, on la retrouve à une fréquence non négligeable en Afrique du Sud, etc., etc., etc. Donc, je reste persuadé qu'il est très important, même dans notre région, même en Inde où la prévalence est faible, de connaître un petit peu mieux ces phénotypes particuliers, parce qu'on va diagnostiquer dans les années à venir beaucoup plus de mucoviscidose ici et ailleurs. Alors, un autre point important en épidémiologie, je l'ai peut-être pas dit suffisamment précisément, mais c'est une maladie génétique qui est à ce jour incurable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement, effectivement, qui permette de guérir cette maladie. Donc on va nécessairement, en termes d'épidémiologique, parler de survie. Et on parle volontiers de survie médiane.
Alors, quand moi j'étais jeune interne, il y avait très peu d'investissements des pneumo-adultes, parce qu'ils allaient suivre effectivement 2-3 adultes. Moi j'ai commencé il y a 20-25 ans, effectivement à Toulouse, et nos collègues éminents pneumologues du CHU de Toulouse en suivaient 3, 4, 5 et tout ça. Et aujourd'hui, ils en suivent 180, alors qu'on en a beaucoup moins en pédiatrie. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Vous voyez ce schéma ici qui est un extrait du registre nord-américain, mais c'est exactement la même chose en Europe. En 30 ans, on gagne 12 ans de vie médiane et on peut dire aujourd'hui que 50% des patients régulièrement suivis pour une mucoviscidose vont avoir une espérance de vie de 50 ans. Et, je l'ai pas sur cette diapo, mais je vous le dis, il y a actuellement en France et en Europe une inversion de la distribution par âge, un peu plus d'adultes que d'enfants. Donc c'est une maladie qui va être de plus en plus prise en charge par les adultes et diagnostiquée chez les adultes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le côté gauche de la diapo, je ne le détaille pas, mais dans les années 60 à 80, les enfants atteignaient difficilement l'âge de 10 ans. Là aussi, vous voyez, on calcule un peu différemment l'espérance de vie. Si vous prenez, par exemple, un diagnostic de mucoviscidose à la naissance, ben, vous voyez, on dépasse largement 40 ans d'espérance de vie. Mais si vous faites un diagnostic tardif chez quelqu'un de 30 ans, c'est quelqu'un qui va pouvoir vivre jusqu'à 50 ans passés. Et à La Réunion, et en France, et dans tous les registres internationaux, on a des mucoviscidoses qui ont 70, 75 ans. Donc il y a vraiment un visage extrêmement différent de cette mucoviscidose aujourd'hui. Et c'est pas du tout le même message que le message qu'on pouvait avoir il y a 10-20 ans. Alors, épidémiologie, le gène, je vous ai précisé que c'est une maladie génétique. Aujourd'hui, on en sait énormément, puisque en 1989, le gène a été totalement séquencé. Il est sur le bras long du chromosome 7, peu importe, 89, c'est une équipe de Toronto qui a séquencé ça. Et aujourd'hui, on décrit plus de 2000 mutations. Alors, c'est un peu complexe, ces relations entre le génotype et les phénotypes différents de mucoviscidose, mais depuis 89, la connaissance de la maladie a véritablement avancé grâce au travail, effectivement, de séquençage très particulier du gène. Alors, je reviens un petit peu sur quelque chose qui est... je vais aller très vite. Vous savez qu'on décrit généralement une succession de mutations au niveau du gène, et en fait l'effecteur, ça va être la protéine et l'épithélium respiratoire tel qu'il nous intéresse aujourd'hui. Mais ça sera vrai aussi au niveau de l'épithélium sécrétoire digestif. Donc qu'est-ce qui se passe ? On sait que ce gène, qui est une grosse portion du bras long du chromosome 7, ce gène va coder pour une protéine qui est une protéine appelée CFTR, pour CF Transmembrane Conductance Regulator, qui s'appelle un peu plus aujourd'hui ABCC7, et qui est un transporteur, c'est un membre de la superfamille ABC, qui est un transporteur. Et la fonction essentielle de cette protéine, quand elle est normale, c'est d'assurer l'hydratation au sommet d'un membrane apical des cellules respiratoires. Et en cas de défaut, ou en cas de mutation au niveau de ce gène, la résultante, ça va être un mucus au sommet des cellules apicales qui va être totalement déshydraté, qui va avoir, je le redirai après, et qui va être responsable d'une inflammation, d'une obstruction, d'une infection, telle que je vais le répéter. Donc on connaît parfaitement bien ces séquences aujourd'hui, et on décrit... Alors, le gène, la protéine, les effets au niveau cellulaire, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre le génotype, c'est-à-dire les mutations qu'on peut décrire, et le phénotype, c'est-à-dire l'évolution chez les patients. Eh ben non, ça marche pas trop. En clair, deux patients avec le même génotype peuvent avoir une histoire respiratoire, une histoire digestive, une histoire générale totalement différente. Et on ne se sert absolument pas aujourd'hui de la génétique pour donner un pronostic de gravité aux patients. Par contre, je module un peu les choses parce qu'aujourd'hui, sur les 2000 mutations décrites, on va décrire essentiellement 6 classes. Alors c'est une diapo qui a 1 ou 2 ans, désolé, mais il y a aujourd'hui 6 classes. Et il faut simplement s'intéresser aux 3 premières classes, parce que ces 3 premières classes
sont dites relativement sévères parce qu'elles vont avoir un phénotype complet avec une atteinte respiratoire le plus souvent grave, une atteinte digestive le plus souvent complète, et là vous le voyez sur les chiffres ici, ça c'est la mucoviscidose relativement typique, c'est-à-dire un âge à diagnostic jeune et en moyenne une fonction respiratoire qui est altérée et en moyenne un portage chronique de certains germes qui est importante. Par opposition à des formes de mutation de classe 4, 5 et 6 qui sont dites modérées et qui sont le plus souvent associés à une forme un petit peu plus modeste de la mucoviscidose. Et ça, c'est intéressant pour un pneumologue d'adulte, parce que c'est ces patients qui ont un diagnostic généralement plus tardif qui vont être parfois diagnostiqués à l'âge adulte. Donc, le génotype, on connaît parfaitement les choses, on connaît 5 ou 6 classes de mutations, on ne s'en sert pas individuellement pour le pronostic du patient, mais ces classes vont nous permettre, vous allez voir, de moduler un tout petit peu peut-être les thérapeutiques futures et les thérapeutiques que je vais exposer rapidement, de correction non pas du gène, mais de correction de la protéine. Alors, quelles sont les mutations? Alors, ne retenez pas ça, c'est un effet purement visuel. Ça, c'est un extrait du registre français, mais tous les pays ont des registres. Le message est le suivant. La mutation la plus diffusée dans le monde, c'est la Delta F508. Elle va être responsable de plus de 80-85% des mucoviscidoses chez les populations qu'on appelle les White Caucasians, donc les Caucasiens blancs. Par contre, après, si on regarde la Réunion, c'est pas du tout les mêmes proportions, puisqu'à la Réunion, dans une situation insulaire et sur une population totalement mélangée, elle va être la première des mutations, mais ça va être 60-65% des mutations. Par contre, on a une mutation à la Réunion totalement privée qui s'appelle la Y122X. Donc si vous faites un diagnostic de mucoviscidose aux États-Unis et vous trouvez une Y122X, vous pouvez annoncer largement à la famille qu'elle a un ancêtre qui est passé par la Réunion. C'est une mutation totalement privée, décrite uniquement là. Pareil pour l'Afrique du Sud, je vous ai dit, 3120 GVRA, c'est une mutation qui est typiquement sud-africaine. Il y en a plusieurs. Alors pour l'Inde, Nathalie Eloué est présente, nous avons eu... Et là, au fond, donc, avec l'équipe de Virgile Gazaï, le dernier diagnostic chez une adulte avec un phénotype particulier, le séquençage du germe a permis de montrer chez une dame originaire de Sainte-Marie, Saint-André, enfin, l'est de la Réunion, une mutation qui n'avait été décrite dans le monde que chez une personne originaire du nord de l'Inde. Et Nathalie m'a dit il y a quelques semaines, quand j'ai posé la question de ses ascendants, à cette jeune dame à qui on annonçait quand même une mucoviscidose, elle m'a dit « Tiens, effectivement, parmi mes ascendants, nous, c'est plutôt le nord de l'Inde. » Et donc, c'est Cochin qui avait fait effectivement la génétique. Alors ça, c'est relativement intéressant parce que ça permet, si vous voulez, non pas de faire des études de génétique de population, mais ça permet, si vous voulez, de décrire beaucoup mieux, même pour les phénotypes rares. Alors la physiopathologie, 3 mots, sur le côté gauche, chez le sujet non muco, vous avez pas de mutation, vous avez une CFTR qui marche, et effectivement vous avez une hydratation de ce qu'on appelle ici, alors bon des fois je l'ai en anglais, vous avez le tapis mucociliaire ici, et vous avez cette partie au sommet apical des cellules respiratoires, vous avez en fait une surface très hydrique. Qu'est-ce qui se passe dans la mucoviscidose? Vous avez effectivement une hyperabsorption de chlore et de sodium, et vous avez une déshydratation de la partie hydrique, effectivement, et vous avez un tapis mucociliaire qui n'avance plus. Et effectivement, on comprend mieux, parce qu'on connaît maintenant la relation entre le gène et la protéine, on comprend mieux que ces patients vont souffrir finalement d'un encombrement bronchique chronique avec un mucus beaucoup plus épais et une infection chronique par certains germes parce que ce tapis mucociliaire n'avance plus. Vous voyez, à titre d'exemple, mais vous le savez mieux que moi, on estime que le tapis mucociliaire chez l'enfant et chez l'adulte, c'est 160 micromètres par seconde, mais dans la mucoviscidose, c'est zéro. Et ça, dès le plus jeune âge, même chez les enfants, des nouveau-nés dépistés asymptomatiques, sur des examens un petit peu particuliers, on a pu montrer que même chez l'enfant dépisté asymptomatique, ce tapis mucociliaire marche au ralenti.
Bon, je vais passer. Donc ça, c'est la conséquence, effectivement, de l'obstruction, de l'inflammation, du mucus épais. Et effectivement, ça, c'est un scan qu'on peut voir chez un enfant de 6-7 ans. Et vous voyez plusieurs aspects. Vous voyez, bien entendu, des bronchiectasies un peu diffuses dans les deux champs pulmonaires. Mais nous, en pédiatrie, ce qui nous intéresse aussi, c'est effectivement l'aspect un petit peu en mosaïque avec des zones plus distendues qui témoignent d'une atteinte purement bronchiolaire. Alors, le diagnostic, vous me coupez si je suis trop lent, hein. Le diagnostic, il va être fait sur une triade. La première triade, c'est un diagnostic clinique qui est un phénotype, qui est consistant avec le diagnostic de mucoviscidose. En pédiatrie, c'est généralement un retard pondéral, une diarrhée chronique et une toux chronique. Chez l'adulte, par contre, c'est intéressant. Et ça, effectivement, les centres spécialisés d'adultes vont pouvoir faire quand même un peu plus de recherche de mucoviscidose chez certains patients qui ont des bronchiectasies, chez certains patients qui ont des polyposes, chez certains patients aussi qui ont des ABPA, on a parlé hier ou avant-hier d'ABPA, chez certains patients qui vont aller en consultation de fertilité pour une infertilité masculine, et chez certains patients eux qui ont des pancréatites à répétition. Un des derniers diagnostics qu'on a fait chez une jeune originaire de Mayotte, c'est qu'elle a été référée chez nous parce qu'elle a des pancréatites à répétition. C'était une mucoviscidose. La deuxième chose, en dehors du diagnostic clinique, ça va être de mettre en évidence l'anomalie au niveau physiopathologique, de montrer par le dosage du chlore sudoral qu'il y a effectivement dans la sueur mesurée à l'aide d'un chloromètre ou par la technique de référence, faire un test de la sueur. Et le test de la sueur, le dosage de chlore sudoral, reste la méthode de référence pour affirmer mucoviscidose. Alors son pendant, c'est la NPD, c'est la mesure de la différence de potentiel nasal, transépithélial au niveau nasal. Ça, c'est une technique qu'on n'a pas à La Réunion, c'est Paris en pédiatrie qui pratique ça très bien. Et c'est exactement le même principe, mais c'est plus long, mais c'est beaucoup plus précis. Et ça reste un test, le deuxième test de référence. Et en numéro 3, même si j'ai beaucoup parlé de génétique, il est clair qu'on se sert de la génétique, puisque si, dans une maladie autosomique récessive, vous mettez en évidence deux mutations qui n'ont pas forcément le même nom, vous êtes en face d'une mucoviscidose. Par contre, c'est extrêmement intéressant en anténatal, et c'est extrêmement intéressant pour le conseil génétique familial. Puisque les modes de transmission sont tels que les frères et sœurs peuvent être hétérozygotes ou porteurs sains, et que pour l'avenir, ils ont un risque familial, effectivement, soit d'être atteints de mucoviscidose, soit de transmettre la mucoviscidose. Donc, je le répète, ça c'est un message important, c'est vrai qu'à l'ère de la génétique, il ne faut pas se passer du dosage de chlore sudoral, mais la génétique reste extrêmement utile. Alors, ce test de la sueur, les valeurs, peu importe, mais au niveau international, il est clair qu'une concentration en chlore supérieure à 60 milliéquivalents par litre sur des techniques de référence signe une mucoviscidose. Là où c'est plus complexe, c'est entre 40 et 60. La plupart d'entre nous vont avoir des valeurs inférieures à 40. Et ça, c'est associé à une fonction CFTR strictement normale. Entre 40 et 60, on peut avoir des patients tout à fait sains, donc des faux positifs, mais on peut avoir aussi des patients, souvent adultes, qui ont des phénotypes particuliers. Donc les recommandations, c'est qu'entre 40 et 60, on refait le test plusieurs fois, et surtout, c'est dans ces cas-là qu'on cède de la génétique. Alors les génétiques, je le résume, il y a plusieurs messages. C'est l'importance, dans un centre qui va s'occuper de pneumologie, de mucoviscidose et tout ça, d'avoir une collaboration extrêmement stricte avec le généticien. Quand on lit des articles de génétique, on se rend compte très rapidement qu'ils ont un langage à eux, que l'on ne comprend pas toujours. Donc maintenant, on a une collaboration un petit peu meilleure, ce d'autant plus que les nomenclatures des mutations ont changé et peu de gens sont capables, comme ça, de tête, de savoir que la Delta F508 ne s'appelle plus comme ça, etc., etc. La deuxième chose, et ça c'est très important pour nous ici, c'est que quand vous faites de la génétique comme moyen diagnostique, il faut tenir compte de la prévalence dans une population et il faut tenir compte de la distribution des mutations dans une population.
Si, par exemple, on est dans le nord de l'Inde, on ne va pas tester les mêmes mutations que si on est dans la partie ouest de l'Australie ou à la Réunion. Je vous donne simplement un exemple pour Mayotte, pour ceux qui connaissent. Mayotte, c'est une petite île française entre Madagascar et l'est de l'Afrique. Il y a un dépistage qui va se mettre en place. Moi, j'ai insisté parce que je connais quelques mutations un petit peu privées mahoraises. Mais au niveau national, parce que tout se décide à Paris, ils ont décidé d'appliquer pour Mayotte, lors du prochain dépistage, le kit de mutation qui est applicable en France métropolitaine. Alors qu'à La Réunion, il y a déjà 20 ans, les médecins réunionnais avaient obtenu que la Y122X, qui est la mutation réunionnaise typique, soit incluse dans le kit national. C'est-à-dire qu'un réunionnais qui a des enfants en métropole, il peut avoir dans son kit la recherche de la Y122X et il peut être effectivement dépisté et pris en charge beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est important. Alors, quelle est la place du séquençage? Le séquençage, c'est l'analyse complète du gène. Ça met quelques semaines. On regarde les exons, mais on regarde aujourd'hui aussi les introns, qui sont, a priori, on a toujours appris que les introns étaient non codants, donc pas associés à des pathologies. Mais maintenant, on fait les introns et on s'en sert dans les cas exceptionnels. C'est beaucoup plus cher, c'est difficile d'accès, mais ça permet, dans certains cas, d'emporter un tout petit peu le diagnostic. Alors, je vous ai parlé du diagnostic, je vous ai parlé sur des symptômes cliniques, je vous ai parlé de la confirmation par le chlore sudoral et je vous ai parlé de la génétique. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, et depuis 2002 en France, à La Réunion et dans beaucoup d'autres régions, on fait un dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose associé aux autres dépistages. Et ça, sur 800 000 naissances par an en France, c'est-à-dire France et Dom-Tom inclus, on va appliquer avec 19,999% des enfants testés. On va rechercher de manière systématique, effectivement, la mucoviscidose depuis 2002. Alors, dans l'histoire, ce sont les Américains qui ont commencé en 84. Ce sont nos amis bretons et normands en 89 qui ont mis en place un très beau programme, ce qui a permis à la France d'être à être pratiquement le premier pays à mettre en place le dépistage néonatal systématique. Alors, ce qui est important, c'est que on a choisi un double dépistage sur la trypsine immunoréactive au troisième jour sur une petite goutte de sang prélevée au talon de l'enfant et on complète si cette trypsine est anormale par un panel d'une recherche de 30 mutations les plus fréquentes. Donc on a très peu de faux positifs, on a très peu de faux négatifs, on a quelques faux positifs et on a d'autres problèmes effectivement là. Donc aujourd'hui, l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Europe, l'Australie, tout le monde a pratiquement organisé son dépistage. Alors pourquoi on a choisi de dépister dans ces pays-là et pourquoi c'est raisonnable? Parce que la prévalence est forte. Mais la deuxième chose, c'est ça, c'est la diapo initiale présentée en 84 par Farrell qui disait normalement, on dépiste une maladie qui est curable. Si vous dépistez l'hypothyroïdie congénitale, c'est qu'avec un traitement simple par des hormones thyroïdiennes, vous évitez le retard mental lié à l'hypothyroïdie congénitale. Dans la mucoviscidose, qui est une maladie incurable, ça semblait aberrant de dépister, sauf dans les pays riches qui ont beaucoup d'argent pour faire des recherches. Mais en fait, les études ont duré une vingtaine d'années et il est prouvé aujourd'hui qu'un dépistage néonatal systématique dans un pays de forte prévalence avec une prise en charge précoce et adaptée dans des centres de référence, ça permet de gagner 15 ans, d'améliorer la survie, mais aussi également d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Donc plus personne dans les pays de forte prévalence n'est choqué par la mise en place du dépistage néonatal systématique. Alors, comme on est en Inde, comme la prévalence est faible et comme l'accès aux soins est extrêmement difficile, il ne serait pas raisonnable de proposer un dépistage néonatal systématique. On est bien clair là-dessus, quoi. Alors, je passe au traitement, je vais aller assez vite au traitement. Je ne vais pas redétailler tout ça, mais finalement, les bases du traitement, la première ligne de traitement, ça va être un traitement symptomatique. Et je vais choisir le poumon, comme dans un congrès de pneumologie, pour vous donner à peu près les grandes bases du traitement. Il faut savoir que au niveau de la bronchiole, au niveau de la bronche, dans la mucoviscidose, on a une association d'obstruction, d'inflammation et d'infection chronique
par des germes que je vais détailler. Donc il est évident que les traitements à visée pulmonaire vont viser à désobstruer, à limiter l'inflammation et à lutter contre l'inflammation chronique. Et qu'est-ce que ça donne en pratique? Ça, c'est une diapo qui est extraite du registre américain, mais c'est la même chose en Europe. Le premier traitement qui a fait ses preuves et qui est très facile, c'est la kinésithérapie respiratoire de désencombrement quotidienne. Et ça, même si les Américains ont des vestes vibrantes parce qu'ils n'ont pas formé de kinésithérapeutes, il est évident que toutes les études montrent que le meilleur traitement et finalement le moins cher reste la kinésithérapie respiratoire quotidienne. Mais après, vous voyez l'énorme liste, on va avoir des nébulisations de bêta 2 parce qu'il y a peut-être parfois une obstruction réversible. On va utiliser, ça je passe un peu vite, comme il y a une insuffisance pancréatique externe, des enzymes pancréatiques, et ça marche très bien, ça permet effectivement d'avoir une vie digestive et une croissance normale. Mais ça c'est des traitements, tout ça non spécifiques. Et actuellement, quand on parle de charge en soins, treatment burden, on estime que un adulte avec une mucoviscidose constituée, parce qu'il a à prendre tout ça aujourd'hui, il passe 4 à 6 heures par jour à se soigner. Enfin, pour ceux qui veulent se soigner, bien évidemment, parce qu'on a toujours des gens qui n'acceptent pas tout ça. Et on estime que entre les nébulisations de mucolytiques, d'antibiotiques, de sérum salicylique hypertonique, rien que pour ça, et qui va concerner au moins 30 à 40% des patients, calculer un tout petit peu en nombre d'aérosols, c'est une charge en soins extrêmement importante. Alors je ne veux pas détailler tous les traitements, ça serait très long, c'est déjà assez long, mais je vais juste vous montrer 2-3 plaques pour voir les traitements spécifiques que nous avons depuis relativement longtemps dans la mucoviscidose. Alors le plus ancien, ça a été Dornase Alpha, la RHDNase, Recombinant Human DNase. Et ça, c'est available since 1994, donc c'est auprès des patients depuis 1994. Et pourquoi? Ça n'a pas été une vue de l'esprit, ça a été fabriqué exprès pour la mucoviscidose, et même des années après, on a montré que ça marchait mieux que le placebo. Mais, et vous êtes habitué à la BPCO et à ces petits chiffres, hein, sur une année, la dernière, la plus belle méta-analyse de pulmosine de RHDNase chez les patients versus placebo, ça permet un gain de 4,3% pour les patients qui vont être traités avec ce produit en nébulisation par rapport à des patients qui vont rien avoir du tout. Mais mieux que ça, si on estime que la perte annuelle en VEMS est 2% par an, on comprend bien aujourd'hui que gagner 4% versus une perte systématique de 2-3%, c'est un gain appréciable, et en pratique clinique, moi je l'ai vécu, les patients se retrouvent beaucoup mieux avec la RHDNase. Le gros problème en pays où l'accès aux soins est plus difficile, c'est que c'est extrêmement cher. Alors l'infection est juste un petit mot, alors bon, ça mériterait un sujet à part, mais on est très embêté par l'infection chronique dans la mucoviscidose, puisqu'on estime aujourd'hui que 60% des patients vont avoir une colonisation chronique par Pseudomonas aeruginosa, bacille gram négatif, dont certains peuvent être relativement difficiles, et pour lesquels les traitements sont relativement difficiles, puisqu'ils sont soit nébulisés, soit par voie intraveineuse, les fameuses cures antibiotiques intraveineuses, etc. Alors, ça pose un problème, mais il y a un peu d'espoir, puisque sur cette dernière analyse publiée dans Chest en 2016, on voit que la prévalence de pseudomonas est en train de diminuer. Ça veut dire que les prises en charge précoces des primo-colonisations chez le jeune enfant par pseudomonas aeruginosa permettent de reculer le stade de colonisation chronique à pseudomonas. Donc, il y a un certain espoir, mais le corollaire... Effectivement, si on commence à battre contre un germe, on voit l'émergence d'autres germes. C'est relativement logique. Et on a, ce qui explose le plus actuellement, c'est les Staphylococcus aureus métirésistants. Et effectivement, chez les patients mucaux qui vont avoir du staph toute leur vie, pour près de 70% d'entre eux, on va avoir des véritables difficultés antibiotiques chez les patients qui ont une charge infectieuse souvent importante.
Et après, l'autre problème, c'est que on a des germes assez typiques, mais que vous pouvez aussi voir en réanimation, qui sont des sépacias, des Burkholderia sépacia, qui, chez le patient fragilisé, immunodéprimé en réa, va être un germe qui va causer une des septicémies et une mortalité, et qui, dans la mucoviscidose, va nous poser des problèmes de transmission de patient à patient et des problèmes de résistance aux antibiotiques. Alors, je ne parlerai pas des mycobactéries non tuberculeuses, puisque Nathalie Allou va en parler, mais effectivement, on a une explosion de la colonisation par des mycobactéries non tuberculeuses dans nos populations de mucoviscidose à La Réunion. Alors, dernière chose, et je terminais pratiquement pour ça, sur ça, je vais avancer un peu. Je vous ai parlé du gène, je pourrais vous parler de thérapie génique. Alors, qu'en est-il de la thérapie génique? Ça marche en laboratoire, il y a des études très avancées au Royaume-Uni, parce qu'ils ont eu un premier ministre dont la fille était atteinte de mucoviscidose, donc le Royaume-Uni, grâce à ça, et le Centre international de recherche sur la thérapie génique. En laboratoire, grâce à des recombinants, et en particulier des AAV ou des lentivirus, on peut corriger l'anomalie génique et faire en sorte que sur des cellules de l'épithélium respiratoire, il y ait une excrétion de CFTR strictement normale. Le gros problème, et ça n'arrivera pas avant 10-20 ans, c'est la tolérance à long terme de la thérapie génique chez l'adulte, mais surtout chez l'enfant. Donc la thérapie génique, ça avance terriblement, mais ça ne marche pas. Donc le niveau d'en dessous, c'est la protéine. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la protéine? Bon, on peut la modifier, il y a beaucoup de mutations. Et il y a maintenant pour les patients deux médicaments, l'ivacaftor alias Calideco, qui est sorti déjà, mais qui est pour une population avec des mutations G551, donc des gating mutations, donc des mutations, des mild mutations. Et ça, chez les patients qui sont aujourd'hui, alors c'est 5% des patients en Angleterre, c'est 5 à 7% de certains isolats de population. Et chez ces patients, ça a été exceptionnel comme amélioration, avec des gains de 10% de VMS sur 6-12 mois, des gains au niveau de l'état général, des gains au niveau des exacerbations, et c'est quelque chose qui est maintenant en toutes les pharmacies pour ces patients. C'est extrêmement cher. Et ensuite, on a l'autre qui est à droite, qui est l'association Ivacaftor, Lumacaftor. Ce sont des médicaments à prendre per os. Ça s'appelle Orkambi. On l'utilise. Et ça, c'est chez les homozygotes Delta F508. Alors, je vous dis le prix parce qu'on est entre nous. Ça coûte 175 000 euros par patient par an. Et si Professeur Lalou était là, il hurlerait. Parce que en faisant de l'Orkambi en Afrique du Sud, on pourrait payer 3 ou 4 médecins par an avec ce que coûte ça. Ça a été un choix européen, voilà, mais c'est extrêmement cher. Mais ça permet pour certains patients d'améliorer le VMS, et ça permet d'améliorer la qualité de vie, l'état général. Et chez certains enfants, ça permet même d'augmenter le poids, de corriger le chlore sudoral, etc. Alors, comme je suis un peu long, je ne parlerai pas 3 minutes. Je voudrais juste vous montrer 2 plaques sur les advanced disease, end stage disease. Dire qu'à un moment, maladie non curable, malgré les progrès que nous avons faits, reste la transplantation pulmonaire. Donc ça, c'est la fin. Je ne suis pas un pneumo d'adulte, vous le savez. Mais jusqu'en 84, la mucoviscidose était exclue qu'on propose un patient mucoviscidosique adulte pour une transplantation pulmonaire. Mais, ça c'est les chiffres nord-américains, mais vous verrez sur les plaques, première transplantation pulmonaire, bipulmonaire chez un patient atteint de mucoviscidose en 84. Et aujourd'hui, c'est relativement intéressant, puisque, ça ce sont les chiffres nord-américains, mais ils sont pas loin, c'est publié en 2017, la survie après transplantation pulmonaire pour les adultes atteints de mucoviscidose, la survie, elle va être, la médiane de survie, ça va être proche de 9 ans. Et il est intéressant de rappeler quand même que parmi tous les patients que vous allez référer pour une transplantation pulmonaire, ce sont les patients atteints de mucoviscidose qui vont avoir le meilleur pronostic. Alors, take home message. Je vais le résumer rapidement. Je pense qu'il est intéressant que tout le monde s'y intéresse. C'est devenu véritablement aujourd'hui une maladie de pneumo d'adultes. Nous, les pédiatres, bientôt, on va disparaître avec tout ça.
Bon, on est gentil quand même, mais bon, on va être utile quelques années. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une maladie que les pneumos d'adultes, les médecins d'adultes doivent connaître, parce que on peut faire des diagnostics à l'âge adulte. Il y a de plus en plus d'adultes. Voilà, on connaît beaucoup mieux la génétique, on connaît mieux certains phénotypes particuliers, on a amélioré de manière extrêmement importante la survie. On a, au moins dans les pays où l'accès aux soins est bien, on a réorganisé depuis maintenant 20 ans l'accès aux soins avec la création de centres de référence pour la mucoviscidose, de ce que les anglo-saxons appellent les CF clinics, et on a, avec la découverte des relations un peu complexes entre les mutations et la protéine CFTR, on a accès pour certains patients à de la médecine dite personnalisée, personalized care, etc., etc. Merci beaucoup. Bien, Jean-Luc, je te remercie pour cet excellent tour d'horizon qui ravive un peu, moi en particulier, toutes mes connaissances sur cette maladie. Nous sommes limités pour le plan du temps et je n'accorderai qu'une seule question, si vous en avez. Alors, moi, j'ai une petite requête pour la salle. Je profite. Bon, il manque nos amis sud-africains, mais j'en avais déjà parlé. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? À quoi finalement ça sert de présenter la mucoviscidose dans un congrès où on parlait de maladies fortement prévalentes? C'est pas parce que c'est quelque chose dont je m'occupe depuis longtemps, avec mes collègues ici, les collègues d'avant. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous regardez la littérature, si vous voulez, spécialement pour l'Inde, le nombre d'articles publiés en Inde sur la mucoviscidose explose, hein. Et je crois que c'est quand même intéressant. Ça serait intéressant, on peut peut-être en rediscuter, d'avoir une espèce de registre océan Indien, incluant l'Afrique du Sud, incluant certains cas, parce que à La Réunion, on est relativement bien placé, effectivement, avec des populations d'origine indienne, avec des mutations très particulières, et on peut peut-être essayer, effectivement, de collaborer plus avec Madagascar aussi, pour essayer de sensibiliser les médecins d'adultes, les pneumos d'adultes, les pneumopédiatres, pour effectivement pas faire un dépistage néonatal systématique, pas faire du chlore sudoral, pas faire de la génétique, mais au moins sensibiliser et au moins trouver des moyens pour référer certains diagnostics qui peuvent être relativement importants et trouver peut-être des circuits pour avoir un accès au chlore sudoral, un accès à la génétique. Et j'y pense depuis quelques années par rapport à Madagascar, mais on y pense aussi pour Maurice. Vous avez vu que je n'ai pas cité Maurice, parce que je n'ai pas trouvé de publication sur les gens de Maurice, mais des publications d'anglo-saxons, bien sûr, de Londres, qui publient sur Maurice. Donc, le sens de tout ce que j'ai raconté, c'est un petit peu peut-être que on peut peut-être trouver des moyens régionaux pour sensibiliser un petit peu tout ça. Merci. Oui, j'aimerais demander, concernant la mutation génétique, pour l'île Maurice, pour la population mauricienne, en fait, on se base sur la génétique de la Réunion ou bien de l'Asie. Vous avez une idée sur... Mais moi, je connais des patients mauriciens. Hein. On a des patients mauriciens, j'ai des mails, effectivement. Alors, comment ça se passe à Maurice? La génétique n'est pas orientée, elle est envoyée, vous savez qu'elle est envoyée à Dubaï, parce qu'à Dubaï, les laboratoires sont excellents. Moi, j'ai un petit des Seychelles, j'ai eu les résultats de Dubaï. Ils sont 3 fois moins chers que tout le monde. Ils font une génétique exceptionnellement efficace. Moi, je connais pas personnellement Dubaï, mais je sais que les laboratoires sont extrêmement compétents. Et donc, en fait, ils ont des diagnostics, mais vous avez totalement raison. Je crois qu'il faut sensibiliser les choses, puisque à Dubaï, ils vont avoir un sérum et ils vont pas regarder l'origine. Et ce travail, nous tous ensemble, on peut le faire. Ça veut dire, oui, vous êtes réunionnais, oui, vous êtes malgache, mais après, voilà. Madagascar, ça a été clair. Tous les malgaches qu'on a suivis avaient au moins une mutation delta F508. Pour Maurice, c'est plus compliqué. On n'a pas beaucoup de cas. Je crois qu'on a 3 ou 4 cas de mucoviscidose. Oui, il y en a effectivement actuellement 4. Ouais. Mais les Mauriciens de Londres, et il y en a,
Il y en a beaucoup plus. Ça veut dire que c'est toujours le même problème. C'est le problème de l'accès à un diagnostic, quoi. Donc à un moment, c'est pas qu'il faut faire un dépistage systématique à Maurice ou à Madagascar, parce que c'est hors de prix. Mais nous, médecins, on peut peut-être effectivement travailler un peu plus ensemble pour trouver des choses et réfléchir ensemble sur ces mutations. Quand Nathalie Allou, sur une patiente adulte, m'a dit « Ah ben tiens, à Cochin, ils ont trouvé une mutation et le grand-père venait du nord de l'Inde et cette mutation a été trouvée chez un patient suivi à Cochin qui est originaire de nord de l'Inde vers le Pakistan. » C'est ça qui est très intéressant. Parce que dans les années à venir, on va pouvoir affiner nos panels de mutations qui sont demandés en fonction de l'origine, effectivement. Et c'est ça tout l'intérêt de tout ça.